Bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, on va réaliser des muffins bien moelleux à la myrtille. Dans un robot, je mélange le beurre mou avec le sucre, le miel, la vanille liquide et la pincée de sel. Une fois que j'ai une préparation bien crémeuse, j'incorpore les œufs un à un. J'incorpore la crème fraîche, le citron en zeste. Moi, j'ai préféré le mettre en extrait liquide. La farine, la levure, ainsi que le lait. J'ajoute les myrtilles à ma préparation et j'en garde quelques-unes pour décorer le dessus des muffins. J'incorpore le tout à la maryse. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Voilà, maintenant je remplis mes caissettes aux trois quarts. Je parsème quelques myrtilles à la surface et j'enfourne pour 25 minutes à 180 degrés. Voilà, je sors mes muffins du four, je les laisse à refroidir. Éventuellement, je les saupoudre de sucre glace. Je peux aussi les congeler ou les conserver dans une boîte hermétique ou pourquoi pas au réfrigérateur. Voilà, je suis certaine que vous allez vous régaler. Le plus dur, c'est d'attendre qu'ils refroidissent, à emporter en pique-nique, à savourer au goûter, au petit déjeuner. C'est à vous de voir. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Et surtout, pour ne manquer aucune recette, pensez à vous y abonner. Au revoir.